Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode avec le dernier jour de notre série sur les Jeux Olympiques 2012. Donc je suis toujours en compagnie de Thomas. Donc on va jeter un petit coup d'œil au tableau de médailles. Donc on est deuxième à... Ils ont une médaille d'or de plus que nous les Chinois. 7 points des... Ouais mais la médaille d'or ça... 7 points des... Ça va être compliqué. Non je pense que c'est foutu parce que même... Ah ouais. Non je sais pas. Ouais non c'est fou. Même si on a les deux médailles d'or là, ça nous ferait 6 points et on serait à un point des Chinois donc c'est bon. Bon on est quand même je pense deuxième assuré. Ouais on est deuxième assuré. Bon, on va quand même tout donner pour avoir peut-être une dernière Marseillaise. Je fais le dos, tu veux papillon. Ok. Pour essayer d'avoir une dernière Marseillaise. Ouais bah j'espère. Voilà. On a un peu merdé quand même. Bon après pourquoi pas à deux hein. Donc là toujours avec Camille Muffat. Sans même meilleur. Et puis en homme, en dos homme, t'as mis la mis à court. Non, il est génial. Est-ce que je peux mettre sur le tien? Bon, il est génial, mais en dos. Ouais, il fait le travail. Ah ouais. Bah, donc si tu fais là. Bah, Camille Muffat fait du papillon. Je savais pas. Ah, bah, je pense que ça va être vraiment chiant. Bon, arrête de mettre son cul, hein, ça va. Oh, j'ai pas pu. Ok. Bon, c'est comme la brasse quoi. Je vais en chier. Ouais. Putain, c'est moi. Où je trouve le truc. Ah là, c'est mieux. B c'est autre chose, hein. C'est pas X. Des roues, tête. Bon, il est caïque. Allez, Camille Muffat. That was back in Barcelona in 1992 where they took bronze. And away they go. Bon, j'ai pris un départ de merde, faut le dire. Oh putain! Attendez que chaque bras soit entièrement. Bon. That's not a good turn and now the pressure is really on. China are in first place. Eh ben on est loin. In third place, Switzerland. 25 meters to go. Je le rattrape là, putain. A full stretch. Bon bah il n'y aura pas de... C'est déjà fini. Pour Camille Muffat qui n'a pas eu de médaille d'or en natation. Vous pouvez pas le défléchir, c'est pareil. Oui, tu vois ça. Non, non, non. Ah, moi je te prête. Sachant que ça va... Même s'il y a 15 jours, ça va pas durer par exemple 10 minutes, après il y aura, je vous le dis, hein, parce que tout ça vous avez vu dans le titre allemand, il y aura les temps forts de cette série, donc avec les records olympiques, tout ça, et le bétillier. Donc par exemple avec nouveau fail, tout ça, comment se manger, tout ça, voilà. Donc Yannick Agnel pour... Quelle baraque, tu sais, j'ai mis Cielo. Ah oui, merci. C'est de trop dur ça. Ça c'est basique. Il va paraître qu'il a pas de dos le mec. Ok, ouais. C'est un peu abusé. Il faut qu'il soit bien dans l'eau avant de... Allez, fonce là. Voilà. Voilà. Bon allez hein. Bah, il faut déjà attendre.
tells me they've been in great shape for quite some time and preparations couldn't have gone any better. How close to their best are they though? Tu vas peinard, tu vas sauter des... Allez, avance un peu là. Mais, t'as vu, voilà. Voilà. This performance not as strong as expected. It's Great Britain in first. Second place, Belgium. In third place, Switzerland. Le sixième. Ça va être chaud. Cinquième. Allez. Elle joue à la touche peut-être. Oui. Quatrième. Moi, ça s'est joué à un mouchoir de poche. Ça va. Il y aura quelques techniques qui s'est fait. Allez hein, là faut que tu fasses un départ aussi canon que le retour. Hein. Allez hein. Some cool customers out there. Yeah. Early leaders starting to establish themselves at 25 meters. Quarter of the way through this race and the early leaders emerged. The other's just starting to get away and he must pick up his stroke soon. Disappointing kick there. Great Britain in first place. Second is Belgium. Third place, France. Into the final 25 meters. C'est dommage, hein. Putain, je te croisais à un moment. Ouais, on était fini. Bon bah, pas de médaille pour ce dernier jour. Moi, c'était le record personnel. Bon bah, voilà. On est... deuxième. Au classement des médailles. Voilà, donc vous avez réussi à terminer une campagne des Jeux Olympiques. Donc on a 6 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles bronze. Donc là, on va vous laisser avec le Fisco Notary, mais bien sûr, il y aura normalement la cérémonie de clôture. Allez, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette série. C'est sympa. Ouais. Ah, donc au nom de toute l'équipe en JP, hein, on vous souhaite des bonnes vacances, voilà, du repos. D'agréables vidéos en notre compagnie. Ouais, exactement. À regarder sans modération. En ma compagnie. Donc il y aura normalement une autre vidéo qu'on sera ensemble. Oui. Sur le jeu NBA 2K13. Voilà. Qu'on a acheté récemment. Bah, qu'un pote me l'a prêté, hein, c'est pas juste ça. Ah bon, voilà. D'accord. Donc, on peut voir le résumé de la campagne. Donc le premier jour, on a fait le triple saut et le 200 mètres, on a terminé 6e et 5e. 100 mètres passe pas, ouais, pas été qualifié, le Kirin, on a une médaille de bronze. Ensuite, le saut masculin, on est terminé à 6ème place, le tennis de table, médaille d'or, et c'est notre première médaille d'or, c'est là qu'il y a eu le déclic, entre guillemets. Voilà. Donc le lancer de disque, médaille d'or, ensuite 110 mètres et 8ème place, donc là, lancer de poids, et le trampoline, le Zeus Diablo, 3 médailles d'or. Le tir à l'arc, médaille d'argent. Le saut en hauteur, donc on n'a pas été qualifié. Le tremplin, 4ème place. La médaille en chocolat, le 100 mètres, 7ème. Le 400 mètres non qualifié. L'haltérophilie, pardon. Ouais, après, c'était vraiment un déroutant. Et là, ouais, c'est vrai qu'on a
le hobble, médaille de bronze. Et ensuite, voilà. Ah, médaille de bronze. Skit, médaille de bronze. Bon, bah voilà. Ouais, franchement, donc voilà qui va mettre un terme. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé cette série. Et on vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Allez, salut. Moment, the flame continues to burn here at the Olympic Stadium in London, but it has been a quite terrific games. The performances have been every bit what you'd expect from the biggest show in the world of sport. So many iconic landmarks that have just become part and parcel of these games, and that's what London has really brought to the table. The flags wave in celebration after so many good performances. The athletes represented down on the trackside. The nations coming together as one for the last time at the 2012 Games. The city has hosted this magnificently, and this closing ceremony really does signify how the whole of the world has come together here. Many of these athletes will now be turning their attentions to the next time they get the chance to compete for an Olympic medal. The flags of the nations stretch out around the track. The Olympic rings link together at the center of the stadium, the heart and soul of these games. For now, the lights burn brightly over the Olympic Stadium, as does the flame. The closing ceremony is well underway, and the celebrations are going to go deep into the London night. It really has been a fantastic Games. Thank you for joining us from Seth Bennett and Alison Kirbishley. We'll see you next time. Salut tout le monde, écoutez, j'espère que tout va pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel explain. Tu vas rien dire, tu vas me trouver le mieux. Ta gueule, commence pas à me faire chier. Donc je suis en compagnie de Thomas. Voilà, donc salut Marcus. Salut. On s'en fout. Ouais. On a le record en la vie. Ouais, voilà, moi je suis. Oh bah c'est... Non, en plus j'ai mordu. Et voilà, bon, pétain, record olympique en qualification, ça sert à rien. 6ème place, c'était l'archi favori. Putain, je te déconne, c'est des trucs comme ça qui me font déconner. Ouais. Je suis en train de me noyer, j'étais quatrième, voilà, voilà, c'est parti. Putain, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'a donné vraiment de la grosse merde dans cette série. Ah, ça est pourri, mais il faut que j'ai un Excel. Je me le perds, lui, bordel. On va se faire la médaille de bronze de Taki, allez. Allez, je vais te laisser la soupe d'un tour, d'un tour. Allez, donc, tu te cas pas. Allez, là, là, tu peux plus d'un tour. Oublie que tu changes, vas-y, fonce. On sait jamais, tu vas avoir mal en conduit, ça peut marcher. Non. Putain, tu tues. Non. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série sur les JO de Londres. Avec le troisième jour. Et avec Thomas aussi.
Je ne pense même pas vu l'idée de... Alors, on va commencer. Ouais. Ah. Putain, parfait. Putain, magnifique. Ouais. Oh, après j'ai réussi toutes mes figures. J'ai réussi mes figures. Il a mal au cou le pauvre. Il a mal. Ouais, tu parles là. T'as une chose à faire. Ouais. Deuxième, Jean-Pierre est parti pour la médaille. Allez Jean-Pierre. Oh putain, attention. Oh la pop pop. Voilà. J'espère que tout va le mieux pour vous. La trappe, je veux rien dire. J'espère que tout va le mieux. Non mais t'as dit, j'espère que tout va le mieux pour vous. Tout va pour le mieux pour vous. Non, je veux rien dire. Ouais. On vous retrouve aujourd'hui. Non, je suis là pour attraper tes conneries, ça va être très FMI. Mais comment tu fais? Oh putain! On est éliminé! On est éliminé! Mais tu fais chier là! Je manque mal. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Au vol femme. Au Audrey Labo. Au Audrey Laboratoire. Lac de merde. Allez. Odier! Oh putain! C'est quoi le bordel? Le truc il y a pas beau. Oh ça peut être super mal fait. Tout à l'heure j'avais fait un super super Oh putain, trop de blague. Oh les moules. Allez. Oh putain, mais voilà. Eh hey, mais c'est super chaud ce mec, ce truc là. Comment ils ont fait? Hey, putain. Mais c'est impossible. Non. Vas-y, mais tu t'auras buté ce truc. Je suis à 31 secondes du premier. Ah, 36 secondes de perdu, c'est pas grave. Allez, Tony, c'est pas grave. Tony. Merde. Là. Oh putain. Quatrième place. Je vais filmer les premiers ou pas? Je vais filmer avec ta mère. Oh putain non, vas-y. Bien ça, bien ça, bien. Oh tout est d'abord du. Oh non. Oh non, il en revient. Bon bah là t'as rien à perdre, hein. Vas-y, fais... Fais ton... Oublie que t'as plus de chance, vas-y. Voilà, c'est la... C'est la citation de la série, ça. Hein. Citation préférée de... Vas-y. Oublie que t'as plus de chance, vas-y. Ça peut jamais être quand même. Pour... Il n'y a pas de chinois, déjà, ils n'ont pas de... Oh bien. Très bonne planche. Et le voilà. Le record olympique peut-être. Peut-être le record olympique. Le record olympique. Est-ce que ça va marcher ou pas? Allez, on va tout de suite. Oh putain. Pas dans les détails là. Bien. Oui.
C'est bon ça, c'est bon. Avec un coefficient de 4 j'ai dit 2. Là il va faire le... Non non. Oh oui. Oh c'est bon je fais un... Il a fait des premières dans le match. Ça va être tendu jusqu'au bout. C'est pas fait, hein. Et voilà. Deuxième médaille. Et après, on ne sait pas encore laquelle couleur aura l'aura. Et cher, peut-être hein, une autre médaille en saut masculin. En saut, en triple saut. Oh oui. Il a quand même tous Yannick. Yannick. Oh l'enculé. Attends, mais non. La balle de match j'ai fait. Ça fait les deux. Belle de médaille d'or. Première médaille d'or. On aura le droit d'entendre la Marseillaise. C'est grâce à nous. On aura le droit d'entendre la Marseillaise. On aura la belle de match. Allez, c'est vous. Je veux que vous fassiez tous comme nous. Rien sur le cœur. Ça aurait pas l'air ridicule. Hein. On est déjà assez ridicule comme ça. Donc... On bombe le torse. Il la chante au pire. Oh, les yeux, ferme les yeux, c'est comme les bras. Elle est pas complète en plus, elle est tout seul. Et voilà, notre première médaille d'or. Et là on va... Et le v'là, le record olympique. Regardez le record olympique. Ouh. Le record olympique. Ouais. Mais comment ça je me disais d'avoir fait le troisième été parce que c'est... Oh putain. Non. 48. Est-ce que ça va suffire? Yes, champion olympique. Le doublé. Bientôt normalement. Bientôt le doublé. Heureusement j'ai fait un super premier essai parce que... Et voilà, on va recommencer, allez. Chez vous, la main sur le cœur. En français, champion olympique, on a fait plus. À part la perche, je ne vois pas beaucoup. Bravo. Et maintenant, peut-être le doublé, donc à mon avis. Oh oui, parfait. Parfait. Aïe. Est-ce que ça va le faire ou pas? On va toujours en arriver. A voir. Et voilà. Un record personnel plus la première place. Je pense que on va pousser les marqués parce que commence à les connaître. Ouais, ouais, puis ils vont se faire chier de la minute. Ouais. Tu vois, t'as 5 secondes. Bon, est-ce que ça va suffire? Ah, je sais pas, hein, parce que j'ai loupé le dernier, à mon avis, ils vont manger beaucoup de points.
Je sais pas. Sachant que j'ai pris le plus gros coefficient. Yes! Elle n'est pas de bon coup avec, hein, parce que... Oh putain, quand tu dis que je crois, il a fait les deux, hein. Il n'y a pas besoin d'y faire. Ouais. Voilà, c'est bien, ça pose des bases. Et voilà, ouais. Le record olympique peut-être. Et voilà. Hein? Que demande le peuple, pas déconner. Ouais. Peut-être le retard du monde. Peut-être. Et ben voilà. Normalement, une... Et voilà, encore. Et 3 épreuves, 3 médailles d'or. C'est pas beau ça, sans déconner. Parce que... Yes. Yes. 28, putain, je suis... Et deuxième place. La deuxième place, la deuxième place, elle est là. Putain, elle a brillé comme elle. Ouais. Oh bah une médaille d'argent, et la surprise c'est de faire un autre jour, dans cet épisode. Bon, c'était... Si ça vous fait plaisir. Bon bah dégagez, mettez la petite par croix. Mettez la petite croix en haut là. Ouais, voilà. Oh putain. Oui. Sur les bases du record olympique. Normalement le record olympique. Yeah. Hop là. Bravo ça. Pas mal. Merde. Oh putain. Ouf. Ah! Oh oui! Allez! Oh le poids, ça! Là où il faut dépenser une manette sacrée, hein. Là où il y a le plus de points. Où je cartonne, il faut que je cartonne. Ça va me. Oh pop pop! Ah! Oh oui! C'est bon ça! Allez! Oh mais... C'est un podium. Hop hop hop. Allez! Là je cartonne là, c'est bon, une fois que j'ai compris le truc, ça reste tout seul. Il est chaud. Oh oui, encore une, c'est pas bon ça, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Allez. Bon bah la médaille de bronze assurée après. Après c'est ce qui est. Médaille d'or. Qui aurait cru ça comme je me suis loupé deux fois au... en qualif. Ah, Shintok s'est ramé complètement. rattrapé par l'enjeu sans doute. La Finlandaise qui est revenue tout de même, comme en qualif. Donc il y aura deux médailles d'or. Hein. Mais bon, une Marseillaise. Ça fait pas de mal. Ah on va l'écouter, ça fait tellement longtemps, on va l'écouter. Regarde, une médaille d'or. On va écouter ma Marseillaise, c'est la mienne. Voilà. On revient un tout petit peu au classement des médailles. Ah oui.
the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Médaille française de ces Jeux Olympiques de Londres pour Céline Gauberville. Bravo, c'est ça qui a tout fait ma chérie. Bravo, bravo. Là, je sais pas, je suis super heureuse. Je suis joyeuse. En plus, j'ai fait ça devant tout le monde, mes parents qui sont venus me voir. Camille Nuta va aller s'offrir un titre olympique, le premier pour la France dans ces Jeux. Championne olympique. Camille Muffa avec le record olympique, Alison Schmidt et Addington. C'est fait, le jour de gloire est arrivé, les Français champions olympiques. Je suis super contente. Non, franchement, je suis très heureuse. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, je réalise pas encore trop, mais je suis contente. Oh oui, oui, ça va. Ah oui, Mazari. Bravo. Hugo Le Grand remporte la médaille de bronze olympique. C'est une démonstration. C'est le talent. C'est le plus grand nageur de ces championnats pour l'instant. Yannick Agnel offre magistralement une troisième médaille d'or à la France. Stratosphérique, énorme, phénoménal. Yannick Agnel est le roi de ces Jeux Olympiques. Blanc. Médaille de bronze pour Jevry Zeman et ce n'est que justice. Jevry remporte la seule médaille qui manque à son palmarès. Coup de chapeau à Alison Schmidt, mais derrière le duel, la bagarre, il est pour Camille Muffa qui va aller s'offrir une magnifique médaille d'argent. Ce soir, pour Camille Muffa et le relais 4 fois de français, ce sera l'argent comptant. Qu'elle est en train de faire, elle gère le match aussi, c'est une grande dame. Elle a pris en lucidité, elle a pris en métier, 5, on fait le déco, 4, 3, avec le public, 2, 1, c'était écrit, attendu, annoncé, Lucie d'Écosse est championne olympique. Quelle démonstration de force, quel panache, quelle facilité on a envie de dire, elle est championne olympique et ça paraît presque normal. Faut pas pleurer, non. Bravo Lucie. Merci, Audrey, c'est une médaille de bronze olympique, c'est pas un échec. C'est vrai, c'est pas un échec, mais j'aurais préféré l'or et voilà, c'est passé un peu et voilà, ça me dégoûte un peu. Voilà. Go, 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 Émilie, c'est fini. Allez, tu peux y arriver. Il n'y a plus de difficulté pour le sprint maintenant. Go, go, go. La dernière porte et puis le sprint final. Oui, ça c'est magnifique ce que fait. Il y a quelque chose de grand là-dedans. Oui, allez, Émilie. Oui, oh là 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 là. Le Émilie. Émilie. Yes. Voilà. Yes.
quelle belle histoire quoi. C'est, vous allez voir, c'est une belle championne, vous allez apprendre à la connaître. Et c'est vrai que pour le canoë kayak en France, de voir Emily faire gagner, c'est génial. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. C'est pour Lucien, pour mon fils. Je pense à lui très fort pendant la course et j'ai envie qu'il ait un pas, qu'il soit fier de son père, quoi. Oh, I should know that. Mikael, il a trouvé plus fort que lui, il le sait. Le public pousse derrière, 5 secondes. Teddy Riner le sait, il bouge. Ah, Teddy Riner a gagné son pari. Mission accomplie pour Teddy Riner qui devient champion olympique. Il a 23 ans, il est double champion d'Europe. 5 fois champion du monde, champion olympique. Jamais dans l'histoire du judo on a vu une telle domination. Je vois le public de feu qu'il y avait. Ma famille qui ont fait le déplacement. Voilà, je suis content. Pour l'instant, je ne réalise pas encore, mais je sais que je l'ai fait. Il faut me le faire atterrir, voir ce que ça fait d'avoir la médaille enfin autour du cou, parce que pour l'instant, on me dit j'ai gagné, mais c'est pas encore sûr. Florent Badoudoute qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient, César Cielo derrière. Florent Badoudoute peut-être pour un effort. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Badoudoute qui va. Wow. Oh la sensation, incroyable, coup de tonnerre. Manodou est à l'or, ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent Manodou. Incroyable sensation, le petit frère s'est fait un prénom, Florent Manodou, champion olympique. So deeper than any ever seen. Là, on joue pour notre pays, on n'a pas les mêmes tenues, on a les anneaux, on a marqué France. Dans le public, il y a les drapeaux. C'est dommage que je sois bon dans un sport individuel, parce que quand on joue pour les autres, c'est pour les copains, ou avec les copains et les trucs, c'est fabuleux. C'est des moments qu'on nous enlèvera jamais, et à vivre, c'est pour ça qu'on fait plein de sacrifices. Et avoir une médaille olympique dans une carrière, bah dans une vie, ça compte. I only have myself to blame. Oh, quelle dalle de match! Quel dalle de match! C'est absolument incroyable! Mais ils n'ont pas fait le signe qu'il faut habituellement. La 22e médaille française sera en argent. Médaille de bronze, représentant la France, Jonathan Lauber. Bronze medalist, representing France, Jonathan Lauber. Je suis super content. Voilà, bon, une petite pointe de déception quand même, je suis pas champion olympique, ça joue sur les derniers mètres, voilà. Mais je suis super heureux, quoi, c'est super. Allez, Bayedine-Bek ici pour prendre la médaille d'argent. Merci Bayedine, tout reste, toute la France est avec toi, ton retour de force. Allez Bayedine, allez, il est médaille d'argent, Thomas Pékin. J'ai tout donné pour l'avoir et puis finalement ça a payé. Je sais pas, je suis encore un peu sous choc et je sais pas quoi vous dire vraiment. Je pense que je réaliserai de jour en jour. Allez Steve, c'est avec possible, le cœur, avec les tripes, c'est avec possible, la tête. Oui. Il est allé magnifique, chercher cette médaille de bronze. C'est la deuxième médaille olympique de Steve Guénot. Après l'or à Pékin, le bronze à Londres. Quel mérite. Steve Guénot est bien l'homme des grands rendez-vous. Ah oui, deux médailles olympiques pour Steve Guénot. Pour l'Olympisme. Oui, français, avoir deux médailles olympiques en lutte dans deux jeux différents. Hein. Ouais, c'est bien. C'est pas fier mal. De ça. Ah bah oui, c'est normal. Je rentre un petit peu dans l'histoire alors. Combat pour 4 ans quoi.
Ces 6 minutes-là, il fallait vraiment les faire à bloc parce que derrière, je n'avais pas envie de vivre avec des regrets pendant une belle gamme. Il est carrément dos au mur. En général, il a l'habitude d'être le taulier du concours. Et là, le problème, c'est qu'il est remis en question et brillamment par Björn Otto. Et la dernière tentative de Renaud Lavilloni, histoire de monter tout en haut du ciel. Allez, Renaud, le ciel sur l'Olympe, 5,97. Ouais, elle prend un drapeau tricolore, elle franchit la ligne comme Julien Absalon l'a fait à Pékin et à Athènes. Bravo Julie, bravo. Le pouvoir est à la jeunesse. En voici un symbole magnifique. C'est exceptionnel quand le Medvige fait. Je sais pas, That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Okay. Merci. On va chanter devant toutes les caméras. Balada.